Bonjour à tous, donc je vais vous présenter trois cuvées représentatives du domaine de la Feuillarde, un Saint-Véran donc tradition 2019, un Saint-Véran vieille vigne du climat Maison Rouge 2018 et un Pouilly-Fuissé tradition en 2019. Sur le domaine, le Saint-Véran est la production principale puisqu'on a 15 hectares sur 20. Sur cette photo, on voit l'ensemble des Saint-Vérans. Donc la première cuvée qu'on a dégustée se trouve dans cette parcelle-là. La deuxième, donc dans cette parcelle-là, ce qu'on appelle les vieilles vignes. Donc la cuvée Maison Rouge. Et les Pouilly-Fuissés sont sur une autre commune. Alors les vignes sont groupées d'un seul bloc autour de la cuverie, avec des sols différents, mais une seule exposition qui est coteau sud-sud-ouest. Pour le Saint-Véran tradition, nous sommes sur des sols argilo-calcaires jurassiques. Ces vignes, dont l'âge moyen est à peu près de 40 ans, sont sur des terrains moyennement profonds. La conduite de la vigne au niveau taille est en arcure ou guyot, un petit peu en fonction de sa vigueur. Nous pratiquons le travail du sol. Les vendanges sont mécaniques avec réception des raisins par gravité dans un pressurage, avec un pressurage doux et pneumatique. Le débourbage est statique au froid. Les fermentations se font en cuve inox thermorégulée et la malolactique est faite à 100%. Dans cette cuvée, nous recherchons donc surtout la fraîcheur et le fruit. Le nez libère des notes de fleurs blanches et une pointe de fruits exotiques. Des arômes assez généreux en attaque avec un bon équilibre. Beaucoup de rondeur et de fraîcheur dans ce vin. La seconde cuvée est le Saint-Véran issu du lieu-dit Maison Rouge, à mon avis sur la partie haute du domaine. C'est un petit peu le fleuron de notre production. Ces vignes sont situées, comme je dis, sur le haut du domaine et les sols sont argilo-calcaires. Mais la différence où on avait des sols profonds, là on a des sols beaucoup plus caillouteux. Alors les vendanges sont plutôt manuelles ici, avec un pressurage pneumatique aussi et des débourbages assez sévères. Et une sélection de jus de presse, c'est-à-dire que les jus de presse de fin de pressée sont isolés. Il n'y a pas d'ajout de levure extérieure et les fermentations lactiques sont aussi faites à 100%. Ce que je voulais aussi dire, c'est que c'était mon grand-père qui avait planté cette vigne dans les années 1940. Donc on a des vignes qui ont là entre 70 et 80 ans. Là, nous avons dans cette cuvée une robe jaune éclatante, des reflets verts. Un nez sur les fruits à chair blanche avec une touche florale. Une bouche assez homogène. Avec des parfums précis, assez ciselés, tenaces, qui évoquent les agrumes avec une agréable fraîcheur. Une petite précision sur les Saint-Véran, on fête cette année le 50e anniversaire de l'appellation. Alors le domaine produit aussi du Pouilly-Fuissé sur la commune de Vergisson. Les sols sont argilo-calcaires, mais là aussi très caillouteux. Et l'âge moyen des vignes est à peu près 50 ans. C'est un assemblage de 8 parcelles réparties sur la commune. C'est un assemblage de 8 parcelles réparties sur la commune. La conduite de la vigne se fait avec des arcures de 6 à 8 yeux, avec le travail du sol. Et là aussi, la récolte est manuelle. La fermentation se fait en cuve inox thermorégulée.
sur des jus très très clairs, pour surtout avoir une grande pureté, des vins assez ciselés et d'une grande droiture. La robe est hors pâle, le nez délicat, aux accents minéraux. C'est surtout la minéralité qui ressort sur le pouilly fuissé et un petit peu de fruité. Alors le vin séduit par une personnalité assez tonique. On retrouve des parfums fruités, un petit peu pierre à fusil aussi, épices douces. C'est un ensemble harmonieux et racé. Voilà, merci.